Pour cesser de fabriquer le, le capitalisme, il y, a, il y a plusieurs choses pas mal chouettes à faire. Expérimenter des micro-sociétés sans capitalisme. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Ça, ça se répand dans le monde, les fameuses ZAT. J'ai été quelques jours à Notre-Dame-des-Landes, invité. Ça m'a absolument chamboulé de voir qui réussissait là-bas les quelques centaines de Lurons et de Lurons que j'ai vus là-bas à vivre autrement, en dehors de toute forme de hiérarchie, de, de bureaucratie, de, de dictat que euh, les produits naturels euh, apportés par des, des comparses d'ailleurs, la vie ne coûtant presque rien là-bas, sans s'engluer dans le moralisme anti-buveur, ça picolait pas mal hum. en ces lieux-là, hum. et une solidarité délicieuse régnait, euh, régnait entre eux. Ça réussissait. Ils m'ont démontré que l'anticapitalisme pouvait se vivre à petite échelle et pourquoi pas à plus grande échelle. On sait qu'il y en a un peu partout des actes et que ce qui pourrait arriver, c'est une fédération des actes, comme le proposaient les anarchistes il y a un siècle et demi à la Bakounine, des fédérations de micro-sociétés euh, s'auto-épanouissant et se multipliant, se conjuguant les unes par les autres. Et évidemment, c'est la répression qui, qui s'abat sur ces expérimentations. Puis les, les, les calomnies qui souillent totalement les actes les qu'on qu décrit euh, monstrueusement aujourd'hui. Mais à partir de là, on peut croire que le monde est à réinventer, peut se réinventer tout de suite.